Les Denver Nuggets. Les Denver Nuggets, c'était une formidable aventure de playoff. L'équipe qui menait 1-3 revenait toujours. Et ma foi, que ce soit Utah ou les Clippers, ont subi la loi des hommes de Mike Malone, qui lui, personnellement, a réussi une bulle, une bubble extraordinaire. Cette équipe qui s'est articulée... Alors, il était revenu un peu tard, mais il a éclaboussé de son talent la bulle, c'est Jamal Murray. Jamal Murray qui forme avec Nikola Jokic un duo majeur, un duo qui peut permettre de construire autour, peut permettre d'envisager des performances de très haut niveau dans une conférence ouest qui est tout sauf cadeau. Voilà, cette équipe de Denver, elle a trouvé une âme, elle a eu de l'émotion, elle avait les valises prêtes pour aller au match parce qu'elle jouait sa tête à chaque fois et elle survivait. Elle s'est éteinte en finale de conférence, mais non sans montrer des choses très intéressantes. Je trouve que en plus, ils vont récupérer Will Barton et Gary Harris. Alors même si Gary Harris avait joué, il a été blessé longtemps. Will Barton, il n'était pas à la bulle. Dans la bulle, et il apporte toujours cette folie par moment, c'est un game changer. Ils ont perdu Jeremy Grant, ils ont perdu Mason Plumlee. Alors Mason Plumlee a été changé, remplacé en tout cas par Hartenstein, ou Hartenstein, comme vous voulez, qui vient de Houston. Lui, il va être surpris de jouer un vrai basket différent, et en tout cas bien articulé sur le jeu intérieur. Et puis avec Nikola Jokic, le joker qui alimente les big men, il va s'y retrouver. En plus, avec les derniers feux de Paul Millsap, tout ça va lui permettre de s'éclater. Nikola Jokic, j'en ai pas vraiment parlé, mais le joker a encore montré plein de choses. Le joker avec sa dégaine pas possible, avec sa lenteur phénoménale, c'est un vrai style de draft, hein, parce qu'il était deuxième tour, pas au fond du saut, mais quand même au milieu, vers le bas du saut. Et il est en train de devenir une arme absolue à l'intérieur avec sa nonchalance déguisée, mais son efficacité redoutable et ses moves techniques, ses shoots de vieille, ses décalés qui sont absolument merveilleux. Il y a dans cette équipe donc le départ de Jeremy Grant. Le départ de Jeremy Grant, pour moi, c'est une perte quand même. Alors, ils ont fait venir Jamichael Green, mais c'est surtout Michael Porter Jr. qui va devoir faire un step-up. Alors, le step-up, il l'a fait par moment, hein, il a collé des 30 points, mais la régularité d'un joueur est l'essentiel. Et je trouve que, pour l'instant, il n'a pas encore ce côté homogène au très haut niveau. C'est quelque chose qu'on va suivre. En tout cas, il a une carte extraordinaire à jouer. Jeremy Grant s'était installé. Jeremy Grant avait réussi à changer et à donner une arme supplémentaire. Il a souvent été dans le run des Nuggets, le troisième homme de l'équipe. Même si Michael Porter Jr. l'a été pendant quelques fois, il va falloir qu'il le soit plus régulièrement. On observera bien sûr aussi les progrès de Bol Bol, parce que ce garçon m'a l'air bien né. Il a des mains, il est grand, il court, il a un shoot. Bol Bol, le fils du regretté Manute, nous a régalé. Et puis il y a une petite attraction au relais de Jamal Murray. On avait traditionnellement PJ Dozier qui était là. Et ils ont fait venir Facundo Campazzo. Facundo Campazzo, c'est un Argentin, et il a cette capacité, lui, quand il joue Team USA, il les joue les yeux dans les yeux. Quand il joue Kemba Walker au championnat du monde, il le joue les yeux dans les yeux. Il a peur de rien, il est expérimenté, la Ligue espagnole ayant fait son œuvre et les compétitions européennes aussi. On va jeter un œil sur Facundo qui quand même peut être très intéressant et avoir un niveau qui puisse donner un plus à la ligne arrière de Denver en cas de blessure, de méforme, de fatigue, de Jamal Murray par exemple. Voilà, les hommes de Mike Malone, on les a adorés et on demande qu'une chose, c'est les adorer encore en cette saison 2020-2021.